Hey, bienvenue à tous sur la page Passeur de Conscience. Alors, je vous fais une vidéo un petit peu à chaud de déjà des premiers effets de la méthode 4D concernant la détox émotionnelle et un petit peu un effet surprise de cette détox. L'effet de la détox comportementale. Donc, voilà. Là, je me sens particulièrement en état de vigilance parce que j'accueille de nouvelles choses. Donc, j'ai un peu de tension. Vraiment, des choses qui, des remontées de schémas antérieurs qui remontent, notamment par le fait d'avoir été dans la bienveillance, un peu de frustration. Le manque qui se présente, donc ça fait remonter un petit peu tout ça d'anciens schémas. J'avoue que c'est assez rude pour moi parce que justement toutes ces remontées justement de bienveillance, de situation auxquelles j'ai été confronté. Notamment au niveau des mémoires émotionnelles. Je viendrai parler des mémoires émotionnelles qui servent d'anesthésie, notamment dans le cadre de violences, que ce soit des violences physiques ou des violences morales ou des violences psychologiques qui nous sont imposées. En fait, ces mémoires-là, on les conserve en nous. Donc il y a aussi un petit peu de traces de mémoire qui remontent au niveau de la détox émotionnelle et de la détox comportementale que je suis en train de faire. Parce que en termes de personnalité, j'ai pris conscience grâce à Claude, merci Claude encore pour cette intervention, que j'ai des comportements agressifs. En situation relationnelle, j'en ai eu aussi avec ma famille, parce que la fragilité, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité que j'ai ont été un petit peu rejetées. Voilà ce qui fait un petit peu ce que je suis aussi. Un être humain, voilà, je suis tout simplement hypersensible et hyperémotif. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Et donc les comportements qui sont en train de remontent à l'égocentrisme, au nombrilisme, aux côtés des comportements excessifs que j'ai, que je peux passer de la joie, enfin je ne suis pas bipolaire, mais par moments, lorsque la communication ne se fait plus, j'ai des comportements qui pour compenser le mécanisme de non-écoute, que je fais, enfin, en fait c'est en moi-même, parce que j'ai fait une vidéo sur je ne m'écoute plus, donc là actuellement c'est en train de rejaillir puissance assez une fréquence assez importante, donc l'égoïsme ou l'égocentrisme et le nombrilisme dont je fais preuve en fait sont des éléments de compensation pour en gros éviter que la conscience mentale ne se disloque enfin, ben oui, parce que la conscience mentale là est en train de lâcher, donc j'exerce le lâcher prise de manière assez intense pour ensuite entrer dans l'état d'apaisement qui en est fait. Et je vous avoue que l'instabilité au niveau de l'environnement, en fait c'est en moi de réguler ça, parce que je me sens vraiment à vif, très 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 sensible en ce moment. Donc cette méthode 4D détox émotionnelle montre la détox comportementale que j'ai à faire, notamment de tous les acquis que j'ai eus au niveau de la famille, dont je ne suis pas responsable, parce que en fin de compte tous ces schémas-là m'ont été inculqués. Mais je les travaille, je fais ça vraiment progressivement, et je vous avoue que c'est sublime de pouvoir entrer en profondeur en soi, parce que ça fait remonter
l'égocentrisme, le nombrilisme, et ça me permet justement d'élargir la vision. J'ai à élargir ça, j'y travaille. C'est vraiment intense. Et je voulais faire aussi en aparté référence au manque et au besoin, parce que en fait, qu'est-ce que je vais vous définir un petit peu les deux définitions du manque et du besoin. Le manque, en fait, c'est l'insuffisance, l'absence aussi. L'insuffisance, l'absence, et c'est ce qui fait défaut. Donc voilà un petit peu comment se catégorise le manque, pour ceux qui souhaitent justement que je leur expose ça. Et pour le besoin, lui, c'est un état qui résulte de tensions internes, dues à des satisfactions particulières comme la faim, la soif, et tout ce qu'on connaît par la pyramide de Maslow. Et justement, je souhaite faire une petite aparté parce que l'économie a repris avec grand bienfait le fait de pouvoir vous faire consommer au niveau de son cheminement et du processus, la pyramide de Maslow. Je vous invite à aller voir un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu ce de quoi il en retourne. C'est une pyramide en gros qui représente les besoins, des satisfactions des besoins physiques aux satisfactions du besoin de reconnaissance. Et il est à savoir que Maslow, en gros Abraham Maslow, avait fait un premier travail qui consistait uniquement à du développement humain. En gros, il s'est basé sur l'être humain et non sur le marketing et l'économie pour constituer sa pyramide. Et que cette pyramide-là a été reprise sur le processus de l'économie qui, comme nous le savons, l'économie consiste uniquement au transfert et à l'échange de biens, que ce soit des biens matériels ou des biens immatériels. Donc voilà un petit peu pour cet aparté. Je vais revenir un petit peu à la détox. Pour moi, elle est assez violente. Je vous avoue, intérieurement, c'est violent. Ça remue énormément de choses au niveau de la mécanique des pensées, de la machine à penser et de la conscience mentale qui, là, se retrouve vraiment en première ligne de mire. Pour la petite métaphore, elle se retrouve en première ligne de mire concernant tous ces changements. Donc, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Ça me fait ressentir un immense mouvement intérieur, parce que là, je suis en train de faire monter l'égocentrisme, un petit peu toutes les expériences que j'ai eues avec ma famille, les comportements agressifs que j'ai eus pour me faire écouter. Parce que, étant enfant, en fait, j'étais énormément dans ma bulle, dans l'imaginaire, dans le fait de cultiver des aspirations qui sont des aspirations concrètes. Je tiens à vous le dire, les aspirations des enfants sont concrètes, et que les normes de la société formatent les enfants à une pensée. Donc là, actuellement, j'enlève tout ça, je déracine un petit peu tout ça. Cet égocentrisme, ce nombrilisme dont je fais preuve, ce perfectionnisme aussi, parce que j'ai besoin de perfection. La perfection, pour moi, c'est justement la maîtrise de ce qui se passe. Et là, ce qui se passe, je n'arrive pas à le contrôler. Je suis dans la non-maîtrise, donc je l'accueille. J'accueille cette non-maîtrise. Merci énormément de me faire accueillir cette non-maîtrise que j'ai intérieurement. C'est pour ça que, en fait, ce qui résulte des comportements agressifs que j'ai, c'est un mécanisme de protection que je mets en place pour pas qu'on atteigne la fragilité que j'ai. Voilà, je tiens à vous le dire, la fragilité, la sensibilité, parce que j'ai été aussi, au bout d'un moment, notamment dans la période adolescente, beaucoup dans la bienveillance, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le fait d'être présent pour les autres. Et j'ai souffert constamment de manque. Je parle de ça,
notamment dans le cadre du syndrome de l'hospitalisme. Voilà, le syndrome de l'hospitalisme a eu un impact. Après, je ne rejette pas la faute sur la famille d'accueil qui a fait du mieux qu'elle pouvait pour ça. Je les remercie. Ouh. Voilà, vous voyez la méthode 4D, c'est là ça fait effet. Je remercie et je pardonne. Parce que ces comportements, c'est pas. C'est juste une souffrance qui est là. Une souffrance qui est assez importante. Après, je sais que chacun d'entre nous a ses douleurs. Mais justement, pour s'ouvrir à ça, en fait, c'est d'aller dans le cœur et d'être franc, d'être honnête avec soi. C'est pas une douleur, c'est plutôt se permettre de respirer, voilà. Je suis désolé, waouh. Je vous remercie parce que je vous partage ça, mais c'est vraiment quelque chose d'assez intense, voilà, comme vous voyez, c'est la détox émotionnelle, la détox comportementale. Pour moi, ça passe par là. Je sais que beaucoup de gens sont comme ça, à se transférer sur les choses, à vivre au travers des choses, mais la vie, en fait, c'est pas ça. On spécule sur votre vie constamment. Vous regardez la télé, vous sortez du travail, vous vous occupez des enfants, vous vous occupez de vous-même. Et voilà, un petit peu, c'est cette détox-là, en fait, c'est vraiment lâcher. Et au niveau du comportement, la détox comportementale, en fait, c'est de pouvoir justement reconnaître ce qu'on est, se dire, bon, ok, pour moi, je suis égocentrique, je suis nombriliste, je suis extrême dans les comportements que j'en ai conscience d'être extrême, mais c'est au niveau de l'inconscience, parce que l'inconscience, elle m'envoie en gros un petit peu aussi ce que je rétro-projette. J'ai parlé de la projection mentale dans l'une des vidéos, et là je rétro-projette, en fait. J'ai fait de la rétro-projection parce que toute l'absorption de sentiments, d'émotions ou d'informations, je l'ai projeté aussi vers les autres, parce que par manque et aussi par besoin. Voilà, je suis pleinement conscient de ça. Donc là, le cœur conscient est vraiment waouh. Je me permets d'avancer là. C'est vraiment, 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 vraiment. Merci. L'amour-souffrance, je l'ai aussi progressivement, je le quitte. Et je suis de plus en plus dans l'amour inconditionnel. Et je vais venir aussi à l'amour lumineux, parce que j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus pour que vous voyez que l'amour, ce n'est pas que amour inconditionnel, mais que l'amour lumineux, quand ça vous touche, j'ai fait une vidéo aussi sur l'amour transforme. L'amour lumineux, quand il vous touche, vous transforme justement. Tout à fait, donc voilà un petit peu les premiers effets de la détox émotionnelle et l'impact de la détox comportementale sur moi. Je vous remercie sincèrement, là ce que je vous partage, je le partage avec très peu, et c'est un effort considérable que je fais, et Dieu sait que j'en fais des efforts. J'en ai fait énormément au cours des 25 ans que j'ai déjà. J'y vais progressivement. Donc je sais que chacun va à son rythme, que chacun est tel qu'il est, vous êtes tous légitimes pour ce que vous êtes, et sincèrement je vous remercie d'être, je vous remercie énormément. Je sais que ces comportements-là que j'ai, je les travaille, et voilà, je voulais vous partager ces premiers effets-là. Merci sincèrement, j'arrive au détachement, je discerne de mieux en mieux. Je prends le temps, je pose, je stabilise, et j'y arrive pleinement. Parce que tout ce qui est dans la mécanique et l'absorption de la conscience mentale,
ne nous concerne pas, ne nous concerne plus. Tout ça, c'est juste de la mécanique qui se produit pour nous faire dépendre. Et je vous dis, un enfant qui ouvre son cœur et ses yeux au monde, en fait, l'enfant, il est constamment en communication avec le monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants, eux, ont le droit d'exister, ont des choses concrètes à nous apporter. C'est pareil pour les adolescents. J'ai conscience d'avoir ces mécanismes d'adolescent, de conflit permanent, conflit relationnel, parce que y a cette... Je perçois cette non-écoute, je perçois en fait cet ado qui est là, qui a toujours ses aspirations, qui a le désir vraiment de mettre en place, sauf que ce blocage avec le pan, les schémas que j'ai intérieurs me bloquent, mais j'y arrive. Et donc, je voulais vous partager ces premiers effets pour vous remercier. Merci sincèrement. Merci de prendre en considération cette vidéo, de prendre la légitimité de ce que je vous partage. Sincèrement, ça me fait super plaisir. J'ai le cœur vraiment... Waouh. Merci, quoi. Merci. Merci sincèrement. Ça me... C'est un plaisir de vous le faire. C'est un plaisir sincèrement. Et j'espère que vous pourrez vous aussi à votre tour, avec la méthode 4D, pouvoir entamer tout ça, votre processus. Peu importe votre âge, peu importe, ayez conscience aussi de la place des enfants, ayez conscience de l'écoute à donner aux adolescents, de l'écoute à donner aux enfants, parce que c'est extrêmement important. Vous savez, j'ai lu une vidéo, j'ai lu une citation simple qui dit... Il est plus facile de construire un être humain que de déconstruire un homme. Voilà. Il est plus facile de construire un être humain que de déconstruire un homme. Et vous savez, pour moi, être un homme, en fait, c'est être déjà, parce que la question fondamentale qu'on a à se poser au XXIe siècle, à l'heure de la consommation, de la mondialisation, de nos échanges de plus en plus techniques, parce qu'on est dans la technique, dans le superflu, mais comment être intègre, comment être au XXIe siècle? Méditons là-dessus, méditons, je vous y invite. Donc voilà, je vous partage les premiers effets et je suis ravi. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, sur la chaîne YouTube. Gros bisous à vous, aussi abonnez-vous à la page Passeur de Conscience. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut à tous et merci sincèrement.